Salut à tous et bienvenue pour le podcast numéro 16 de Réflexion Entrepreneuriale. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je vais vous parler de quelque chose comment dire, pour une chose pour laquelle j'éprouve beaucoup de gratitude et j'estime être vraiment super chanceux. C'est le fait de pouvoir me lever à l'heure que je veux. Et ça, c'est vraiment top quand on a un business en ligne. On n'est pas obligé de se lever à 6 heures, à telle heure, donc pour aller bosser, pour aller pointer à un endroit. Et ça, c'est vraiment, mais mon Dieu, c'est un truc de fou. Et parce que là, pour vous donner, enfin, pourquoi je pense à ça ce matin particulièrement, là, il est 10h30, je commence à bosser, alors là, c'est vraiment incroyable. D'habitude, enfin, je suis plus du genre justement à me lever tôt pour bosser parce que je suis au taquet, que j'ai envie de créer des choses et tout ça, mais des fois, il y a des jours où bah, ça va pas, ou que c'est il y a des péripéties qui arrivent. Et du coup, bah, dans ces cas-là, on est content de ne pas avoir cette obligation. Et ça, c'est vraiment top. Et bon, pour vous donner un petit peu de contexte, là, pour ceux qui me suivent sur ma newsletter, je viens d'être papa. Et donc, la nuit qu'on vient de passer avec ma femme, c'était un peu chaotique. On s'est fait mettre la misère par notre bébé. On s'est réveillé à 3h du mat jusqu'à presque 5h. Donc, c'était éprouvant. Et vous l'entendez d'ailleurs, il est à côté de moi. Et salut, il veut participer aussi au podcast. Et du coup, voilà, de toute façon, je vais pas trop durer, ça va pas trop durer longtemps, mais voilà, ça c'est vraiment un des avantages d'avoir un business en ligne, c'est que voilà, une fois que le business tourne, qu'on a une équipe, etc., eh bien voilà, il peut se passer des choses. Si on n'est pas là pile poil au bon moment, bah, c'est pas catastrophique. Et donc c'est pour ça que bah, voilà, si jamais vous avez l'opportunité, vous avez une idée, bah, il faut se lancer, il faut pas hésiter parce que voilà, vous pouvez même lancer ça à côté de votre taf, ça peut décoller tout doucement. Mais une fois que le truc est en place, c'est vraiment enfin, pas que du bonheur parce qu'il y a des challenges, il y a des défis, il y a des problèmes aussi qui arrivent. Mais voilà, la vie est plus cool et franchement on apprécie. Donc voilà, c'était assez court comme podcast, 2 minutes 15 là, peut-être 2 minutes 30 en tout. Mais donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bah, parlez-moi, est-ce que vous avez peut-être un business en ligne? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez compté lancer un truc? Voilà, parlez-moi-en. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et puis le prochain podcast sera un peu plus calme, c'est promis. Ciao!